pour nous voir ça. Bishop aime bien l'ombre. Bishop nous va manger. Salade concombre. Ah, Bishop aime bien l'ombre. Voilà. Tout ça, même tu manges. Voilà. Un petit peu de la chaque. Voilà, un petit peu de la chair. Un petit peu de voilà. Tout. Qu'est-ce qui est dans cette cocotte à la vapeur là? Hein? Qu'est-ce qui est là? Je ne sais pas, il y aura zéro. Qu'est-ce que tu dis à Bishop? Il a tort. Tu as tout raté. Tu as tout raté, Bishop. Ah, d'accord. Bonjour, c'est moi. Qu'en fait? Ça va très bien. Très bien. On vient de passer un bon petit moment. Allez, et frère, moi. Bonjour. Amen, amen, amen. Qu'en nous pédit la population? Ah ben, nous pédit nous, ça nous content, nous, là, aujourd'hui, là. C'est un bel jour pour nous prédire, mais c'est un jour pour nous marquer dans les annales. Dans les annales. D'accord, c'est un moment de partage, un moment de communion fraternelle, un moment à l'amour. Alléluia, alléluia. Yon connaître l'autre. Yon connaître l'autre. Yon yon est à l'autre. Exactement. Ok. Pour diable à tomber à gagne. Alléluia, mais mon souffle là, il y a fouillé tout pour diable à tomber. Qu'en fait, c'est moi? Ça va par la grâce de Dieu. Eh bien, nous venons passer un moment agréable en famille, en frère et sœur. Amen. Que bon Dieu glorifie à nos là. Alléluia. Nous bien là, bon Dieu qu'a glorifié sœur Marie-Céline. Merci, regardez chapeau, l'agence a tenté. Il y a des affaires, même. Oui. Et là, nous, quand il voit, à présent, Thérèse a fait à Mamie Chabine qui est bien, tous les enfants, petits enfants, alléluia. Voilà, belle petite sœur. Bonjour, ma sœur, comment ça va? Bien. Alors, c'est agréable? On respire. Tout à l'heure, on fera le show. Mon nom est Kaufé. Mais ça va très bien. Je suis contente d'être là. C'est dommage que maman n'a pas pu. Ah, mais maman n'a pas un an. Hein? Alors, on doit supporter maman. Mal de mer. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire? Merci Seigneur. On ne peut que le glorifier. Voilà. Amen. Oui, je sais. Je l'ai vu déjà. Petit bout de journée là. Nous pouvons faire watcher. Alléluia. Bonjour, voilà. Comment ça nous bien? Oui, voyez un message va ça qui parle. Alors, nous que dit ces mouna qui parle là, franchement, il a raté en bitin parce que Lola. Il nous passe à apprécier. C'est vrai, j'ai dit férié. Quand on crée des feux à casa, est-ce que mes ménages c'est ça? Bon, qui ça? Comme Marie-Claude, anti-zoom. Si, plage là, s'il te plaît. Mi plage là. Regardez ça, le soleil, et nous n'y mangeons là. Et nous n'y mangeons là. Quand nous demandons encore, c'est dit merci, bon Dieu. Gardez tout ça, la vie, gabadon. Amen. Thank you.
Bonjour, 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 bonjour les hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Frère Roger, qu'est-ce qu'on dit nous? Pour bien, quoi passer un bon moment? Oui. D'accord. Frère Antoine. Oui, au nom de Jésus, ça va bien. Bada boum, boum. Boum, boum. Boum. Et frère, moi. En tranquille. En tranquille, alléluia. Alléluia, alléluia. Là, nous caillons tomber dans le terrain à l'Abbé, non à présent. D'accord? Frère Vansbert, quand on peut dire le peuple, est-ce qu'on peut faire un petit témoignage, ma peuple, là, dès que ça, bon Dieu, j'ai fait, bah, grâce, si j'ai lâché, si yo. Ça, bon Dieu, j'ai fait, au moins. Il y a trop. Trois petits. Moi, j'ai fait, à mon Dieu. Seul, il y a quatre jours. Pas la guerre, à mon Dieu. Moi, je n'aime pas que l'émission, j'aime la personne. Ah. La personne, c'est une personne vraie. Ouais. Elle dit la vérité. Ouais. Et c'est les analyses sont très très bonnes. Wow. Il est catholique, hein? Il est catholique. Bien-aimés, ne soyez jamais envieux. N'enviez pas les autres. Au contraire, réjouissez-vous de la réussite des autres. Il faut que le mariage de ton frère soit un signe prophétique de ton futur mariage. La guérison de ta sœur soit un signe prophétique de ta future guérison. La prospérité de l'autre ministère soit un signe prophétique de ta future prospérité. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Et ce qu'il fait dans l'autre, ce qu'il fait pour l'autre, il veut le faire aussi pour toi. Dieu n'a pas destiné d'autres à vivre dans la médiocrité et d'autres à vivre dans l'abondance. Et Dieu veut que tout homme prospère. Dieu veut que tout homme qui est fidèle, au lieu d'envier l'autre, au lieu de jalouser l'autre, au lieu de combattre l'autre comme Caïn l'a fait, au contraire, améliore-toi. Paye le prix que ton frère paye. Paye le prix que ta sœur paye. Paye le prix que l'autre a payé. Suis son exemple. Sois son imitateur, comme Christ le disait. Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Bénissez le Seigneur. Il ne faut pas que la réussite des autres, la victoire des autres, soit un découragement, un deuil pour toi. Mais il faut qu'au contraire, soit un encouragement, que tu puisses te réjouir avec eux, que tu puisses remercier Dieu et que cela puisse fortifier ta foi parce que ton tour vient. Sois béni. Chrétien, comment vous pouvez manquer de discernement à ce point-là, hein? Comment vous pouvez confondre, vous ne savez pas distinguer les faux apôtres des vrais apôtres, les faux docteurs des faux docteurs, hein? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, hein? L'apôtre Pierre a maudit Simon le magicien. Il lui a dit, sois maudit, que tu périsses avec ton argent, parce que tu as cru que le don de Dieu peut s'obtenir à prix d'argent. Et quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui vous vend de l'huile, pourquoi vous ne comprenez pas que c'est, il est du diable? Comment un homme de Dieu peut vous vendre de l'huile, vous vendre des mouchoirs et faire des bénéfices avec? Qu'est-ce qu'il vend? C'est l'onction ou quoi? Comment un homme de Dieu va vendre un petit livre qui vaut à peine 5 euros, 200 euros et vous l'appelez homme de Dieu? Comment quelqu'un, vous le considérez comme prophète, il fait payer 200 euros un entretien? Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ faire payer 200 euros un entretien? Mais vous pouvez être aussi stupide et borné à ce niveau-là. Comment pouvez-vous appeler quelqu'un chrétien, prophète de Dieu, il fait payer un entretien 200 euros, 1000 euros? Oh! Vous aimez les charlatans, vous aimez les flatteurs, les gens qui vous prophétisent des mensonges, qui ne vous disent pas vos péchés, qui ne vous appellent pas à la repentance, mais qui vous flattent et qui vous donnent de faux ministères. Sandrine et Cécilia, c'est voyage gentil. Je voulais voyager à crédit, venir là. Ouais, il n'y a pas de problème. On a payé petit à petit et tout pas ni l'argent au cas où. Voilà. Il n'y a pas porter plainte. Pour pouvoir suivre.
Tout espérer.
Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je vous salue et je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je suis ravie de pouvoir avoir un temps de partage avec vous à nouveau en ce jour. En tout cas, que vraiment vos cœurs soient ouverts, que l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation puisse visiter votre cœur, votre entendement, votre confiance, qu'elle soit renouvelée dans le Seigneur, que votre conscience soit impactée par la parole de vie, la parole de vérité, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je prie vraiment que votre cœur soit touché par la parole de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est la puissance du salut pour quiconque croit. C'est une puissance, l'évangile de Dieu. Vraiment, que cet évangile puisse vous visiter et vous faire du bien. Vous savez, nous n'aurons jamais suffisamment d'encouragement. Nous en avons besoin. Quelqu'un ne peut pas dire « je n'ai pas besoin d'être encouragé ». Quand bien même tu aurais fait un pas en avant ou deux, voire plus, peu importe tes progrès, tu as besoin d'être encouragé. Moi, je reconnais que j'ai encore besoin d'être encouragé. Les jours sont mauvais, c'est vrai. Les temps sont difficiles, c'est vrai. Mais il y a encore de belles choses à vivre ici-bas avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais encore t'encourager, toi qui suis ce programme. Ce programme a été conçu pour t'encourager, toi qui es connecté ou qui est derrière ton écran télévisé. Tu me reçois chez toi, tu reçois également le Bishop Elie chez toi, qui t'encourage, qui te parle. Nous voulons vraiment vous encourager, vous faire du bien. Parfois, il y a également la sœur Marie-Claude. Béni soit le Seigneur. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous disons bien encouragement. Je veux nous encourager, je m'inclus. Je veux nous encourager au sujet de la confiance à avoir pour certains, pour d'autres ce sera à entretenir, à conserver dans la fidélité de Dieu. Aie confiance dans la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Vous savez, l'autre jour, j'en discutais avec une sœur, voilà, qui partage la même foi en Jésus-Christ. Parfois, il faut bien le réaliser. Nous avons une attitude qui laisse sous-entendre que Dieu ne peut pas nous aider. Vous savez, le comportement qui n'est que l'effet du doute, du désarroi, de l'incompréhension, le fait que nous ne puissions pas contrôler les choses, les gens, les situations. Celui qui contrôle quelqu'un, cela est révélateur d'un problème intérieur, de domination. Parfois, c'est même spirituel, maléfique. C'est psychologique, voire toxique et maléfique. Là, je ne parle pas de ce contrôle. Je parle de cette aptitude à pouvoir maîtriser les choses selon notre bon vouloir. Parfois, non. Les choses nous échappent. Dieu est élevé au-dessus de tout. Ses pensées sont élevé au-dessus de nos pensées, ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Dieu, lui, il a le pouvoir de détenir le contrôle de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a fait tout ce qu'elle renferme, même les animaux, même les courants d'eau que nous voyons. L'homme, il l'a fait à son image et selon sa ressemblance. Dieu sait tout, Dieu voit tout, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin. Aujourd'hui, nous devons nous encourager, nous fortifier au sujet de lui faire confiance. Donc, la foi dans sa fidélité. Aie confiance dans la fidélité de Dieu. Lorsque tout nous échappe, lorsque nous ne maîtrisons pas les choses, nous qui pourtant avons la foi en Dieu, il se révèle que nous avons une attitude de retranchement, de repli sur nous-mêmes, de désarroi, de colère parfois, de peur, qui démontre quelque part que nous n'avons pas confiance suffisamment dans la fidélité de Dieu. Parce qu'il y a une promesse que Dieu a faite. Dans 1 Jean chapitre 2,
verset 25. Je veux nous encourager sur certains passages à prendre, peut-être même chaque jour, ou encore dès que cela est nécessaire, dès que vous allez le ressentir dans votre cœur. Prenez ces passages afin de vous réconforter, vous rassurer, vous fortifier. 1 Jean chapitre 2 verset 25 nous dit que la promesse qu'il nous a faite, c'est déjà la vie éternelle. Avant de réaliser nos aspirations matérielles, financières ou sentimentales, voire même spirituelles, nous devons réaliser la vie éternelle. La vie éternelle, Seigneur, c'est que le plus grand nombre te connaisse. La vie éternelle, c'est que le plus grand nombre connaisse qui est Dieu, qui est ce Dieu que nos yeux humains charnels ne voient pas. Mais nos yeux spirituels, oui, il nous a donné la foi. Et toi et moi, nous avons la responsabilité de faire grandir cette foi. C'est comme une plante, voilà, on va semer un grain. Cette plante, elle est d'abord une graine que nous mettons en terre et que nous arrosons. Et chaque jour que nous allons l'arroser, peut-être à une heure précise, avec des recommandations que nous allons rechercher de la part d'experts, de professionnels, cette graine va donner lieu à une plante ou peut-être un arbre fruitier. Mais il faudra de la persévérance, il faudra de la patience, il faudra y mettre tout son cœur. Et vous voyez, c'est ce que dit Dieu dans Romains 10, 27. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Toi et moi, nous avons l'obligation, le devoir. C'est pour notre bien-être, c'est pour notre bonheur d'arroser cette foi. Tous les jours que Dieu nous accorde, nous devons l'arroser. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Dieu sait qu'il y aura des turbulences dans nos vies ou autour de nos vies, que nous serons impactés peut-être par des décisions qui sont prises à l'échelon national ou international, mondial, qui risquent même de bousculer notre foi. Même dans l'Église, corps de Christ, il se passe des choses qui sont parfois peu communes, décevantes. Dieu sait que notre foi sera bousculée. Il faut l'entretenir, il faut la faire grandir. Voilà pourquoi je veux nous encourager à garder confiance dans le Dieu fidèle. Parce que lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, qu'il bouleverse notre quotidien, qui nous bouscule de l'intérieur, nous chamboule, comme j'aime le dire aussi avec ce langage humain. Nous avons besoin de nous réfugier dans ce que Dieu nous dit dans sa parole. Luc chapitre 18, verset 27. Voilà, là on parle de la parabole du juge inique, où cette veuve importunait un juge qui n'avait d'égard pour personne. On nous dirait même un homme sans foi ni loi. Pourtant, à force de l'avoir dérangé, cette femme a eu gain de cause par rapport à ce qu'elle a demandé. Et Dieu alors, t'aidera-t-il aussi à accomplir ce que tu lui as demandé? Dieu t'aidera-t-il à t'exaucer, toi qui es son enfant, toi qui crois en lui? C'était l'enseignement du Seigneur, à persévérer dans nos demandes, dans la prière, afin de voir la gloire de Dieu. Et c'est dans ce même passage, donc au verset 27, dans le livre de Luc, au chapitre 18, verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pourquoi tes yeux, pourquoi mes yeux, parfois, vont-ils se détourner de la face de Dieu, de ce que Dieu a promis? Nous voulons tellement maîtriser les choses. Nous voulons tellement avoir du contrôle sur les choses. Dieu veut une collaboration étroite, non-stop, continuelle, du lever du jour jusqu'à son coucher avec lui. Dans tout ce que nous faisons, Dieu veut avoir sa place dans notre cœur, dans nos pensées. Il veut avoir sa place. Il veut être au contrôle justement de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous ressentons. Il veut être au contrôle tout simplement de notre vie parce qu'il est le bon berger. David l'a compris, voilà pourquoi lui-même il a fini par déclarer dans le psaume 23 que vous connaissez tous. Parfois certains le prennent comme un poème ou une récitation, mais il faut comprendre ces paroles.
Il faut comprendre ces paroles et se les approprier en y ajoutant son cœur, ses propres paroles également. Quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », tu peux toi-même te les approprier et dire « Seigneur, je reconnais que tu es mon berger. Toi seul es capable de me conduire, de me guider, assurément, alléluia, parfaitement, dans les choix, dans les décisions que j'ai à prendre dans tel ou tel ou tel domaine. Toi, tu connais. Moi, je ne connais pas tous les domaines, mais toi, tu les connais. Et Dieu aussi connaît tout ce dont chacun de nous a besoin. Peut-être as-tu commis une erreur. Il y a un sentiment de culpabilité, de désarroi. Que dit Dieu? Voyons ce que dit Dieu par rapport à divers aspects de notre vie, diverses situations. Il faut garder confiance dans la fidélité de Dieu. Si tu n'avais pas confiance en ce jour, je veux t'inviter à avoir confiance. Que Dieu déjà, il t'aime. Il a fait une promesse de vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Ensuite, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être t'as-t-on diagnostiqué une maladie, peut-être que tu n'as même pas encore le diagnostic, tu n'as pas encore consulté un médecin, mais tu ressens des symptômes variés dans ton corps. Ou tu l'as déjà consulté un, voire plusieurs spécialistes, on ne trouve rien. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu doit révéler sa grandeur. Bien souvent, je l'ai compris, quand je me retrouve dans une situation où je vais peut-être solliciter des êtres humains sans être satisfaite du résultat, ou peut-être même qu'il n'y a même pas d'aide possible de leur part, je suis confrontée comme à un mur. Voilà. Parfois, on se heurte à un mur. Nous avons l'impression d'être dans une voie sans issue. Que reste-t-il ? Il reste Dieu. Mais parfois, au fur et à mesure que toi et moi nous avançons avec Dieu, parce que la vie chrétienne n'est pas question d'apparence. Il est question de relationnel. D'abord entre Dieu et soi, et ensuite avec son prochain. Quel est le commandement que Dieu nous a demandé de retenir ? C'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peut-être te sens-tu dans la culpabilité parce que tu as péché contre Dieu, tu as désobéi à sa parole. Peut-être que tu es pris dans des addictions dans lesquelles tu n'arrives pas à t'en sortir. Que dit Dieu par rapport à sa parole? Lorsque nous ressentons que nous avons mal agi, mal parlé, mal pensé, dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9, retiens cela. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Lorsque nous demandons pardon d'un cœur sincère à Dieu. Dieu veut que nous opérions un volte-face, en fait, un demi-tour. Cela veut dire sur nous-mêmes, cela signifie, en fait, de se détourner, de prendre la décision de ne plus recommencer et d'appeler l'aide, d'ailleurs, de son esprit pour qu'il soit notre soutien afin de continuer d'avancer dans l'obéissance, dans la sainteté, dans sa sagesse, parce que même la sagesse, nous avons besoin de la lui demander. Et là encore, il est fidèle. Celui qui a besoin de sagesse, qu'il la réclame sans douter. Qu'il la demande sans douter. Dans Jacques, le livre de Jacques, vous allez pouvoir retrouver ce passage dans le livre de Jacques. Je veux nous encourager encore à garder confiance. Peut-être traverses-tu des tumultes. J'ai parlé de santé. J'ai parlé sur un plan plus spirituel de péché.
tu connais d'autres aspects, peut-être sur le plan scolaire. Tu as passé une année quand même, tu vas dire, chaotique, difficile. Certains vont même se dire, elle a été nulle, mon année scolaire. Il y a une promesse de Dieu pour toi. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Dieu sait tout de chacun de ses enfants. Dieu sait ce qu'il a prévu pour ta vie. Il y a une promesse de réussite. Il y a une promesse de succès. Vous savez, parfois, on peut avoir connu du succès, du succès, du succès et être soudainement confronté à un échec. Et cet échec vient vraiment nous bousculer, nous déstabiliser. Parfois, c'est même notre estime de soi qui va être éprouvée. Nous aurons l'impression de ne même pas être intelligent à ce moment-là. C'est toute l'estime de soi qui est déstabilisée. Mais la promesse de Dieu est réelle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Autrement dit, il y a un échec, il y a quelque chose, il y a un enseignement, il y a une leçon à apprendre de Dieu. Vous savez, j'en parle parce que cela m'est arrivé jeune. J'ai réussi. Et tiens, il y a un moment donné, après le bac, première année d'études, elle n'a pas été satisfaisante. Au début, j'ai boudé. Dans mon jeune âge, j'ai boudé. Mais au fond de moi, je me suis dit, mais pourquoi tu boudes finalement? Vous savez, parfois, nous devenons grincheux, nous devenons affligés, alors qu'il y a une instruction sur sa personne à recevoir, et même au sujet de Dieu. Dieu n'était pas coupable dans l'affaire, c'était moi. Je m'étais tout simplement mal organisée durant l'année. On dit toujours que l'université, c'est la jungle. Quand on sort du petit cocon du lycée, où on est bien choyé, bien voilà, traité, bien boosté, voilà, on est après nous. Mais quand on arrive après le bac, bon nombre sont testés là-dessus. Ils se reconnaîtront, vous vous reconnaîtrez. On doit apprendre à être plus autonome. Ben, je pensais l'être. Mais pas suffisamment organisé pour pouvoir dépasser une certaine note, hein, et passer en deuxième année à cette époque. Eh bien, j'ai revu les choses et j'ai refait mon année bien mieux. Béni soit Dieu. Il y a un rebond. Vous savez, je me suis remise après en question. J'ai demandé pardon à Dieu parce que je commençais à désigner Dieu comme étant coupable. Qu'est-ce qui m'a fait? M'a-t-il abandonné? Dieu a fait une promesse. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai toujours avec toi. Je serai avec toi tous les jours. Même dans Ésaïe 40, je vous donne cette promesse. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe 40, verset 31. Dieu a des promesses de succès. Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Toutes les promesses que Dieu nous a faites, dans toutes ces promesses, il y a une promesse qui surpasse toutes ses promesses, c'est la fidélité de Dieu. Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il aime sa création, il aime son enfant, il aime tous ses enfants du même amour, il ne fait exception de personne.
Donc toutes les promesses qu'il a faites à ses enfants, ces promesses lorsque nous les saisissons, ces promesses lorsque dans notre prière, nous les lui rappelons. Il nous a promis. Et nous devons en être sûrs qu'il va les accomplir. Dans Ésaïe 41, verset 10, il est écrit « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, ma main droite, la main de la justice. Ésaïe 41, 10, n'aie pas peur, ne promène pas des regards inquiets. Vous savez, lorsque les situations nous dépassent, lorsqu'elles deviennent incompréhensibles pour nous, il y a des sentiments d'angoisse, de crainte, de peur qui nous animent. Et parfois, nous avons l'impression d'être dans une telle détresse, un tel abandon, une telle solitude qu'à ce moment, tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es en train de lutter avec toi-même. Tu es en train de lutter avec ta chair. Et le diable, lorsqu'il le voit lui-même, il va encore s'organiser pour semer des pensées d'échec, des pensées d'angoisse. Des pensées négatives. Et toi et moi, nous avons aussi la responsabilité de ne pas faire de nos pensées le champ de bataille du diable. Lui, son rôle est de mentir, de tromper, d'usurper, de dérober, voler, égorger, détruire. La Bible dit que nous ne devons pas ignorer ses desseins. Nous ne devons pas ignorer les objectifs du diable. Il est de plus en plus déchaîné d'accomplir ses objectifs dans la vie des êtres humains que Dieu a créés. Lorsque toi et moi nous le réalisons, quel bonheur, quel privilège de pouvoir ouvrir son cœur à celui qui a fait la promesse de donner la vie éternelle. Quelle promesse d'ouvrir son cœur à celui qui a promis de sauver notre âme. Amen, amen. Poursuivons encore dans notre encouragement. Tu traverses un temps difficile, je ne sais pas, peut-être sentimental. J'évoquais la maladie, l'échec scolaire. Peut-être même que tu t'inquiètes d'ailleurs sur le choix de tes études, le choix d'un métier. Laisse Dieu au contrôle, abandonne tout entre les mains de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, dit le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a une paix. Il y a une paix que Dieu nous a réservée. Sois encouragé au sujet de la fidélité de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu veut sauver le plus grand nombre, tandis que le diable se plaît à vouloir détruire. Il y a tant de personnes qui sont dans des détresses morales, affectives, psychiques, mentales. Certaines personnes sont même tourmentées par des esprits de suicide. Tu suis ce programme. Je déclare la victoire de la croix dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous toute puissance de sorcellerie, de suicide, de mort, je proclame la victoire de la croix. Je crois à la grandeur de l'amour de ce Dieu qui est capable de te sortir du gouffre dans lequel tu te tiens. Tu te trouves, ce gouffre ne persistera pas dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est le Rédempteur parfait et il a le pouvoir de t'accorder la délivrance de toutes tes détresses. Amen, alléluia, merveilleuse, parfaite nouvelle encore aujourd'hui pour toi et pour moi de se rappeler que Dieu est le Dieu des délivrances. N'aie pas peur. Refuse la peur. Rejette la peur. Vous savez, c'est un combat. C'est une lutte de tous les jours.
l'angoisse, le stress nous poursuit, rôde autour de nous tous les jours. Tous les jours, nous avons à gérer du stress, de l'angoisse, à certains niveaux, petits niveaux, moyens ou grands. Même les enfants ont à gérer du stress. Le matin, se réveiller tôt. Peut-être qu'il aurait voulu dormir. Maman le réveille ou papa le réveille. Et voilà, c'est parti. Il faut se hâter. Il faut se préparer. Il faut manger. Peut-être qu'il n'a même pas envie de manger parce que déjà, il y a ce petit stress de bousculade, de précipitation. Voilà, pour aller à l'école et y arriver de bonne heure. Parce qu'on sait tous qu'il y a souvent un trafic dense sur le chemin. Béni soit le Seigneur, parce que là aussi il veut être au contrôle. Que le Dieu de toute paix nous accorde sa paix. À ce moment-là, mets une bonne louange dans ta voiture, une bonne adoration, chante des cantiques avec tes enfants, avec ton enfant. Voilà, tu pourras expérimenter la grandeur, la grâce, le repos, la paix du Seigneur. Cela fait du bien d'écouter des paroles de réconfort. N'oublions pas, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu traverses le feu, tu ne comprends pas. Tu es confronté à comme une avalanche de difficultés. Oh, ce sont les parents qui ont déjà un âge avancé, qui sont malades, ils font prendre soin. Toi-même, dans ton travail, il y a des perturbations, des incompréhensions. Dans ton foyer ou dans ta famille, il y a des incompréhensions, des choses, peut-être même mystiques, que tu as du mal à saisir, qui te dépassent. L'Éternel te dit ceci dans Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les grandes eaux, si tu traverses de l'eau, c'est une image, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. J'articule volontairement. Ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. C'est une promesse. C'est une promesse. Le moment peut être difficile, douloureux, contrariant. Mais l'Éternel t'assure ceci. Que tu traverseras cette période avec son soutien, sa force, sa paix, son aide. Et tu t'en sortiras indemne, saine et sauve, sain et sauf. Au nom de Jésus, je le proclame. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui fera, qui agira dans ta vie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, retiens cela. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. J'aime ce passage parce qu'il me fait penser également à Job. Nous avons eu l'occasion de partager les preuves de Job pour que nous puissions nous-mêmes trouver un soutien face à l'épreuve, de la force, du courage, de la foi, une plus grande foi. Dieu savait que Job était un homme intègre, un homme en qui il avait confiance. Dieu savait qu'il pouvait compter sur l'intégrité et la fidélité de Job. Satan en a discuté avec lui et Dieu a laissé Satan toucher sa vie, toucher son corps, toucher à des choses qui lui appartenaient, sans lui ôter la vie. C'était la consigne, ne lui ôte pas la vie, ne détruis pas sa vie.
Dieu savait qu'il pouvait faire confiance à Job. Job a été éprouvé, il a perdu des enfants, il a perdu des amis, il a perdu tant de choses. Mais à la fin, à cause de sa fidélité, à cause de sa persévérance, dans l'intégrité, dans le retour à Dieu, dans cette confiance en la fidélité même de Dieu, malgré les turbulences qu'il vivait, malgré les difficultés, malgré la maladie, l'abandon, l'incompréhension des amis qui disaient même « maudit Dieu, mais détourne-toi de Dieu », même la femme « détourne-toi de Dieu ». Vous aurez des personnes proches de vous qui ne vont pas toujours comprendre ce qui vous arrive, alors que ce qui vous arrive, dans ce qui vous arrive, il y a un projet de Dieu, un projet de bénédiction à saisir. Mais d'autres, dans l'incompréhension, vous feront douter même de l'amour de Dieu, de la fidélité envers vous. Retiens. Retiens que Dieu t'aime et qu'il est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera dans ta vie. Dieu a rendu à Job tout ce qu'il avait perdu. Même ses amis, il a jeûné, prié pour ses amis, imploré la grâce de Dieu, imploré Dieu pour ses amis, pour la repentance de ses amis. Dieu a accepté, Dieu a accordé. Job est resté dans l'amour. Job est resté dans la foi, la confiance en son Dieu. Et Dieu l'a récompensé. Si toi et moi nous persévérons, Dieu saura aussi récompenser notre confiance. Il est l'auteur, le consommateur, le rémunérateur de notre foi. Que son nom soit béni. 2 Pierre chapitre 3, encore un dernier passage. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Je le reprends encore pour vous. Comme certains le pensent au contraire, il fait preuve de patience envers nous, ne voulant qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Retiens cela, nous l'avons vu, retiens cela. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Ça, c'est la condition principale. Aimes-tu véritablement Dieu? Si tu l'aimes, tu chercheras son aide pour garder sa parole dans ton cœur. Autrement dit, pour vivre une vie d'obéissance. Nous avons besoin du soutien de Dieu. Nous avons besoin d'invoquer, d'appeler le Saint-Esprit. Qu'aucun de nous n'ait une trop haute opinion de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura aussi soin de lui-même. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dieu a fait une promesse, Dieu a fait même des promesses, et il est sûr et certain qu'il l'accomplira. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Il conserve son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Et c'est vrai, ceux qui aiment Dieu, si tu aimes Dieu, tu garderas, tu veilleras, tu prieras. Tu résisteras à la désobéissance. Tu veilleras à conserver l'obéissance. C'est la parole de Dieu, les recommandations, les ordonnances du Seigneur dans ton cœur. Je ne dis pas que cela est possible de manière humaine. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Ce sera ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Tu y arriveras. J'y arriverai. Vous savez, nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres afin de tenir bon et ferme dans les voies du Seigneur. Moi, je ne peux pas compter sur moi-même. Je compte sur Dieu. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons compter sur l'Éternel Dieu. Ceux qui comptent sur l'Éternel, je le reprends puisque je te l'ai cité dans Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui comptent sur l'Éternel. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Fais confiance à Dieu. Même au sujet de ce que tu vas manger. Même au sujet de ce que tu vas boire. Confie ta journée à Dieu. Confie tes lendemains à Dieu. Confie ton être entier. Confie-toi en Dieu. Que tous tes domaines, tous les aspects de ta vie, tous les domaines de ta vie, tes projets, quels qu'ils soient confiés à l'Éternel Dieu.
le tendre Père. Ce Père qui a plein de compassion et de miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent. Fais confiance à Dieu, fais confiance à sa fidélité. Et tu vivras de belles choses. Même dans les petites choses, tu verras la main de Dieu, la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. C'était vraiment mon encouragement pour chacun de vous. Et je termine encore en disant chacun de nous, car je m'y inclus. Nous avons besoin de serrer ces promesses dans notre cœur pour compter sur la fidélité de Dieu. Joseph a été fidèle. Dieu l'a récompensé parce que Dieu lui avait donné une promesse. Dieu lui avait fait une promesse d'élévation. Il a été humilié, abandonné, rejeté par les siens. Mais Dieu l'a élevé, Dieu l'a justifié, Dieu l'a promu, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu est Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a promis à Abraham. Abraham a écouté les mauvais conseils de son épouse. Mais en tout cas, il est retourné à l'Éternel qui a eu miséricorde, qui lui a fait grâce, qui est intervenu dans sa vie. Dieu a été miséricordieux, oui. Il est appelé aujourd'hui encore, combien de siècles, combien d'années après, le Père de la foi pour nous. Parce que Dieu avait fait une promesse qu'il a vu s'accomplir. N'abandonne pas. Tu avais peut-être les mains languissantes, abaissées, relève-les, car Dieu est fidèle. Tous les jours, je me rappelle de la fidélité et de l'amour de mon Dieu. Lorsque l'amour et la fidélité des hommes peuvent vaciller, peuvent en fait amener en nous des sentiments de déception et d'insatisfaction. Il y a un moment donné, il faut relever sa tête et se dire que c'est Dieu qui est parfait, pas les hommes. Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il l'accomplira. Sois fortifié, sois restauré dans le nom de Jésus-Christ. Que ta confiance, ton espérance en l'Éternel Dieu soit renouvelée au nom de Jésus. Que ces sentiments de négativité qui étaient en toi te quittent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde courage, fortifie-toi encore dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marc chapitre 9, verset 27. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Garde confiance, garde la foi dans la fidélité de Dieu. Soyez tous bénis et je vous dis à très bientôt. Sandrine et Cécilia, c'est voyage gentil. Je voulais voyager à crédit, venir là. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. On a payé petit à petit et tout pas ni l'argent au cafouille. Voilà. Il n'y a pas porter plainte. Sur le chemin.
Lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je serai.